Je vous retrouve pour le tirage au sort du mini-jeu du mois de novembre. Attendez, je vire mes papiers pour vous montrer. Ah, mon Dieu, ce qu'il y avait à gagner. Il y avait ce Happy Book Mail. Alors, vous m'avez fait marrer. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui disaient, ah, je ne connaissais pas le Happy Book Mail. Et je vous rassure, moi non plus, je connais. Moi non plus, je ne connais pas, je ne suis même pas sûre que le terme existe. C'est juste que, ben, comme je vous disais, j'étais en train de m'amuser à faire une boîte livre pour mon calendrier de l'Avent, enfin pour mon gros calendrier de l'Avent, parce que je trouvais ça plus sympa de le faire dans une boîte livre plutôt qu'une boîte normale. Et c'est en faisant cette boîte que je me suis dit, ah mais ce serait carrément super bien de faire une petite boîte comme ça pour envoyer en tant qu'Happy Mail. Et c'est comme ça que j'ai, enfin, vu que ça a une forme de livre, c'est pour ça que je l'ai appelé le Happy Book Mail. Mais après, je vous avoue que l'appellation, je suis pas sûre qu'elle existe vraiment. Donc je vous rassure, moi non plus, je ne connaissais pas. Donc voilà, on avait ce petit Happy Book Mail automnal à gagner. Où à l'intérieur j'ai mis les. Ça, je sais pas si je vais vous le montrer en fait. Parce que du coup. Ouais, bah si, parce que même si vous n'avez pas encore vu la vidéo, de toute manière, celle qui aura gagné la verra avant qu'elle le reçoive. Donc j'ai fait des petits embellissements comme ça. Avec les chutes de papier qui me restaient du Happy Book Mail. Et j'ai pris des petits stickers et puis mes petits mots. Et j'ai fait des petits embellissements comme ça. J'en ai fait, mais il y a v'là le temps, quoi. Il y a très longtemps sur ma chaîne, il y a au moins un an et demi. J'en avais fait avec des récups de tissu, enfin avec des chutes de tissu qui me restaient. Donc il y a celui-ci et puis celui-ci. Voilà. Ensuite, on a nos petits tickets. Ça, vous aurez vu la vidéo. Bah, théoriquement, aujourd'hui, on est samedi soir. Donc vous aurez vu la vidéo aujourd'hui. Et puis j'ai fait des petites fleurs toujours avec mes chutes de papier. Mes chutes de papier de ça. Comme ça, j'ai tout utilisé mes chutes de papier en faisant des petits embellissements, en faisant mes petits tickets et puis mes petits trucs comme ça. Donc il y a ça à gagner. Hop là. Et puis ensuite. Vous avez une de mes planches mots qui, là, ce sont que des sentiments sur l'automne. Il y a Happy Thanksgiving, il y a Douceur d'automne, En mode cocooning, Plaid et chocolat chaud, pardon, Vive l'automne, Thanksful, Fall Vibes, Couleur d'automne et The Fall. Donc, je vous les montre d'un petit peu plus près. En espérant que ça focus normalement. Voilà. Et ensuite, vous avez deux planches de die-cut que j'ai achetées sur Etsy. Donc, vous avez celle-ci. Et vous avez celle-ci. Là, ce sont clairement des planches Thanksgiving. Hein. Mais ça peut aussi servir pour l'automne. Hein, parce que le petit chariot plein de courgettes, j'allais dire, non. Plein de citrouilles, le truc de pomme, la corne d'abondance, ça peut rappeler l'automne sans forcément que ce soit Thanksgiving. Bon, ça c'est clairement Thanksgiving. Mais bon, c'est pas grave, hein. Enfin, pour celles qui ne fêtent pas Thanksgiving, c'est dommage, mais bon. vous pouvez quand même faire des petites créations pour les copinettes qui fêtent. Donc, vous êtes 17, les gars, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Super. Donc, nous avons... Sam de la chaîne Découverte et Imagination. MD Mesmac. Enfin Marie-Danielle, pardon. Mesmac. Daniel Chrétien. Nani Scrap.
là. Hop là. 4 de la chaîne du même nom. Fabienne Husson. Chris 38. Hélène Nota. Ça me fait super plaisir hein, que vous soyez aussi nombreuses à participer. Je n'ai compté que les commentaires dans lesquels malheureusement il y en avait d'autres, mais il n'y avait pas les mots Happy Book Mail, donc je ne les ai pas comptés, hein, bien entendu. Et vous êtes donc 17 à avoir mis le mot Happy Book Mail. Excusez-moi, les petites romances de Lily, parce que si en plus je vous dis pas qui est sur le papier, ça va pas le faire. Les petites romances de Lily. Karine Tim Milam. Nathalie Marchand Sapinou. Ariel Delcambre. Crochette Scrap. Patricia Clark. Véronique Bonnet. Marina Scrap Bidule et Myriam Debu. Hop là. On prend tout ça. Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Ouais. J'ai quelque chose là-dedans. Donc il va falloir que je fasse la centrifugeuse dans mes mains. Et je prends celui-ci. Et c'est Véronique Bonnet qui gagne ce petit jeu du mois de novembre. Donc Véro, félicitations. Je compte sur toi pour m'envoyer un mail et pour m'envoyer ton adresse, parce que je sais pas si je l'ai. Je crois, mais j'en suis vraiment pas sûre. Je regarderai. Mais bon, pour me confirmer que tu as bien vu la vidéo et que tu sais que tu as gagné, hein, envoie-moi un mail. Gagnante. Hop là. Et puis je te ferai partir ton enveloppe ce sera samedi de la semaine prochaine au plus tard samedi de la semaine prochaine, parce que je travaille pas jeudi, je travaille pas vendredi. Donc si j'ai fini, parce que du coup je vais pas me déplacer à la poste vu qu'on est en confinement bizarre là. Je vais pas me déplacer à la poste tous les jours. Si j'ai fini parce que je dois envoyer mon gros calendrier de l'Avent à ma binôme. Donc si j'ai fini par exemple mon calendrier le jeudi, je t'enverrai ça le jeudi. Mais de toute manière, tu t'affoles pas, je t'envoie un message pour te dire quand ça partira, quoi. Merci à toutes les autres d'avoir participé, puis n'hésitez pas à retenter votre chance, hein, parce que des petits jeux comme ça, il y en a au moins un par mois sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à retenter votre chance. Je pense que le prochain, je vais faire, ce sera sûrement sur Noël de toute manière, sur le thème Noël, sûrement sur le thème Noël, mais je sais pas, j'ai reçu des petits tampons gorgeous là, avec les dyes assortis qui me plaisent trop, et je me dis que je ferais peut-être des petits tamponnages gorgeous avec des petites, enfin en les découpant quoi, comme ça vous n'aurez pas à vous embêter à les détourer. Je sais pas, je vais voir. J'en attends d'autres aussi, c'est des petites magnolias, et je crois qu'en plus là c'est sur le thème Noël, parce que du coup les gorgeous, j'ai pas du tout pris de thème Noël. Bon bref, c'est pas grave, enfin, on s'en fout. Je vous dis ça, je vous dis rien, parce que je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout du coup ce qu'il y aura. Donc je t'aime ma goule en fait, hein, pour être clair. Véro, félicitations. Merci à toutes les 16 autres qui ont participé à ce petit jeu. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo de toute façon. Et puis à très vite aussi pour un autre petit jeu sympathique. Pour gagner des petits goodies. Voilà. On va se quitter.
ça va finir par tomber. Ça menace. Ça va finir par tomber. Je vous dis pas. Vivez chaque seconde de votre vie avec joie, chaque minute avec espoir et chaque jour avec étonnement. Je vais vous quitter là, les amis. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao.